Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là pour ces journées de l'architecture dans le cadre habituel de notre coopération avec la Maison européenne de l'architecture. Bienvenue donc. Herzlich willkommen. Nous avons quelques germanophones et ça n'est pas mon cas, donc je m'arrête tout de suite. J'exagère un peu, Madame le maire est très aimable avec moi. J'avais envie de vous poser une première question et certains connaissent déjà la réponse puisque je l'ai laissé fuiter pendant certaines des midi-visites que nous avons faites cette semaine. Il y a deux dates symboliques que je voulais partager avec vous. La première, c'est le 29 décembre 1970. Et non, ça n'est pas ma date de naissance. J'étais déjà là. Et le 22 juillet 2022. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ces deux dates ont en commun ? Levez la main si vous avez une idée. Cher monsieur, oh, mais vous avez assisté à beaucoup de conférences. Alors, moi j'arrive, je vais quand même vous donner la parole, vous allez nous dire ça tout de suite. Alors, sauf erreur, c'est la date à laquelle la Terre a consommé l'ensemble de ses ressources d'une année et comparativement à l'autre année. C'est exactement ça, c'est le jour du dépassement, c'est donc le jour où la Terre, ou plutôt les habitants de la Terre, c'est-à-dire nous, avons consommé l'ensemble des ressources que la Terre est capable de produire. Et je dirais, en 1970, le 29 décembre, ça voulait dire que grossièrement, on utilisait tout ce que la Terre pouvait nous donner, mais que tout ça était une forme de cercle qui pouvait se renouveler. 52 ans plus tard, à l'évidence, on met à peu près 6 mois et 3 semaines pour utiliser ces ressources, et donc on n'est pas loin de la moitié. À ce rythme-là, on a un vrai problème, et c'est pour ça qu'avec la Maison européenne de l'architecture, l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous sur Mulhouse, son agglomération, et plus largement le Sud-Alsace, on a choisi ce thème des ressources, parce qu'il est central. Et aussi parce que, si vous le savez, je vais vous donner un autre chiffre, 43%, ça correspond à la quantité d'énergie, ou plutôt à la proportion de l'énergie qui, en France, est utilisée pour le bâtiment. Je dis le bâtiment de manière générale, c'est-à-dire la construction du bâtiment et son exploitation, son recyclage, son chauffage, son cycle de vie. 43%. Et donc ces 43%, quelqu'un doit s'en occuper. Et moi, j'ai tendance à dire que la plupart des gens qui doivent s'en occuper, ils sont dans cette salle. Je m'inclus, bien sûr. Ce sont les collectivités, ce sont les architectes, ce sont les porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage, ce sont les maîtres d'œuvre, ce sont les professionnels du bâtiment qui travaillent et qui doivent se poser la question de qu'allons-nous faire pour résoudre ce problème ensemble. Et le deuxième chiffre que je voulais partager avec vous, c'est 51 millions. Quand j'étais enfant, c'était pas loin d'être la population de la France. 51 millions, c'est le nombre de tonnes, c'est un chiffre de l'ADEME. 51 millions de tonnes, c'est la quantité de matériaux que l'industrie du bâtiment consomme chaque année en France, 51 millions de tonnes pour à peine 70 millions d'habitants. Il y a un ratio qui doit nous interpeller. J'ai fait référence à l'ADEME à plusieurs reprises et vous êtes sans doute un certain nombre à connaître les quatre scénarios. Qui connaît les quatre scénarios de l'ADEME? Ils ont publié ça récemment, je trouve ça assez génial. Vous pouvez lever la main si vous connaissez les quatre scénarios de l'ADEME. Bon, au moins, je ne parlerai pas pour rien parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui le connaissent. Vraiment, je vous encourage à les regarder. L'ADEME, donc organisme gouvernemental, a développé quatre scénarios qui donnent une idée de ce à quoi la France pourrait ressembler en 2050 en termes de style de vie. Comment on consomme, ce qu'on mange, comment on habite, comment on se chauffe, comment on se déplace, comment on consomme de manière générale. Et ces quatre scénarios, je ne vais pas vous les détailler, mais je vous encourage vraiment à les regarder. Ils vont de 1 à 4, ils sont numérotés assez simplement. Le numéro 1, Paris, entièrement sur la sobriété. Et donc dit que le problème de la transformation écologique aujourd'hui sera résolu par, en gros, la sobriété, la frugalité, la diminution de la consommation et l'augmentation des puits de carbone naturels, c'est-à-dire les plantations d'arbres. À l'autre extrême, vous avez un scénario tout techno qui dit il n'y a pas de souci avec notre consommation, il n'y a pas de souci avec notre manière de produire. La solution est dans la technologie, on va créer des puits de carbone artificiels, on va créer plein de trucs qui vont nous permettre de nous sortir du problème sans rien changer à nos habitudes. Alors vous voyez que je mets un peu d'ironie et dans le 1 et dans le 4, parce que je les trouve pas très crédibles. La vérité, évidemment, comme,
comme ma famille qui est un peu normande nous le dirait souvent, elle est un peu au milieu, donc elle est sûrement entre le 2 et le 3. Et c'est justement dans ce contexte que nous, dans notre communauté de gens qui travaillons dans la construction, l'aménagement, le bâtiment, l'urbanisme, nous avons à trouver ces solutions. Le thème des ressources, j'en ai parlé, je ne me penche pas plus longtemps. Nous aurons deux conférenciers qui vont nous secouer un peu les méninges en nous disant l'époque du béton, c'est peut-être bien révolue. Le béton, le sable qu'on fait venir de je ne sais où, qui vient et qui a un impact carbone phénoménal, il faut se poser d'autres questions. Et moi, j'ai eu le plaisir de visiter le centre de recherche appliquée de l'ETH à Zurich, qui fait des choses remarquables en termes d'utilisation de la terre. Il y a aussi des civilisations ancestrales qui ont utilisé la terre depuis très longtemps. On va regarder ça de plus près, ça va être vraiment très intéressant. Je vais donc conclure en accueillant très chaleureusement, noch einmal, herzlich willkommen, Herr Bolthauser von Zürich und Herr Rauch von Vorarlberg in Österreich. Herzlich willkommen. On va donc commencer la suite de nos discussions. Je vais passer la parole à Claude Denu, qui est le président de la Maison européenne de l'architecture, notre partenaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Je vous remercie de votre attention. Merci d'être là. Et réfléchissons ensemble. On a beaucoup de choses à faire. Bon, vous avez dit tellement de choses, monsieur l'adjoint, que je ne sais plus quoi dire de plus. Hein, voilà. Mais je suis heureux, en tant que président de la Maison européenne de l'architecture, je suis heureux que ces 20 ans, c'est maintenant ces 22 ans, que nous organisons toute une série de visites, de conférences, de colloques, de rencontres, trouvent un écho auprès du public, des élus, trouve un écho auprès du grand public. Et voilà, c'était un peu notre ambition. Et nous avons appris à réfléchir dans nos écoles, mais souvent après, on nous a dit c'est le prix. Et donc, voilà, il faut. Le prix, il ne faut pas le négliger parce que c'est une donnée, mais la réflexion est nécessaire. Je vois bien plein de consoeurs et de confrères qui sont des gens qui font des choses remarquables et je les remercie d'être présents. Bon, dans mon rôle de président, je représente aussi le vice-président en charge du Haut-Rhin, qui est Jean-Marc Lesage, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Je remercie tous les bénévoles parce que la plupart de nos manifestations, les 160 qui se tiennent en 5 semaines de Heidelberg jusqu'à Bâle, sont d'abord organisées par des bénévoles. Après, je remercie l'équipe des permanentes, des stagiaires qui accompagnent ces bénévoles pour la mise au point du programme, pour la mise au point d'un planning où on n'a pas 25 manifestations le même jour, donc elles se débrouillent bien. Et vous voyez, c'est même elles qui ont porté avant le matériel pour l'interprétation, pour la traduction, parce qu'il y a eu un accident de voiture. Je remercie évidemment la ville de Mulhouse. Hein. Je vous remercie, madame le maire, de nous accueillir ce soir. Je remercie aussi l'adjoint que vous avez entendu avant, qui est M. Bouillet. J'ai déjà été extrêmement agréablement surpris par votre discours de l'an passé. Voilà, ça en fait un deuxième. Bravo. Je remercie toutes les villes et toutes les agglos qui nous suivent. Hein. Je ne vais pas toutes les citer. Strasbourg, l'EMS, Colmar, Saverne, Wissembourg, Karlsruhe, Offenbourg, Laar, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, voilà. Je remercie évidemment toutes les associations d'architectes qui nous soutiennent, l'Ordre des architectes du Grand Est, l'Ordre des architectes du Pays de Bade, enfin c'est le Bade-Württemberg,
dans ces circonscriptions de Karlsruhe et de Fribourg, le Bund der Deutschen Architekten, l'Union des architectes d'Alsace, les écoles d'architecture et l'école l'ENSAS à Strasbourg a frété en bus aujourd'hui. Donc je remercie fortement l'ENSAS, je remercie le réseau des maisons de l'architecture. Et puis nous remercions aussi nos partenaires privés. Et pour ce soir, plus particulièrement, les entreprises mulhousiennes ou de la région, que sont Galopin, Michelin, Jacob, Cedec Engineering, ST, HUC et Plastisol. Je crois que j'ai oublié l'État, donc la DRAC, la région, la communauté européenne d'Alsace, le Land du Bas-de-Württemberg et toutes les fondations qui nous suivent. Hein, comme vous l'avez compris, les sous, nous les avons un petit peu par là, un petit peu par là. C'est un grand boulot, mais d'année en année, je sens qu'on est réceptif à ce qu'on fait. Et comme on est des bénévoles, on a aussi besoin de cette réception-là. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai nos invités qui n'ont peut-être pas l'habitude de nos retards français. Donc, il serait temps que je laisse la parole. Madame la maire.
Also, ich bin froh, dass ihr... Je suis très heureuse de vous accueillir ici ce soir à Mulhouse. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer, de vous écouter, de vous entendre. Mais j'ai encore d'autres choses aussi ce soir. Mais je voulais d'ores et déjà vous remercier pour le temps que vous nous consacrez. Je ne pourrai pas rester jusqu'au bout, mais je vais lire après, par la suite. Merci beaucoup. Mulhouse est toujours heureux d'accueillir des invités, des experts de l'étranger. Nous avons une personne de la Suisse, une personne d'Autriche, donc nous sommes très heureux. Ce sont des pays voisins qui, nos voisins, ont beaucoup à nous dire et à nous apprendre. Merci beaucoup. Un petit mot de salutation à Monsieur Denu, je l'ai déjà fait, mais on ne le dit jamais assez. Quand les gens s'investissent comme lui de ce qu'il est en train de faire, une petite pensée pour Jean-Marc Lesage, que nous connaissons très bien au niveau local et qui n'a pas pu être parmi nous, mais je ne manquerai pas de lui dire. Voilà, je vais vous laisser rapidement, et il y a encore d'autres prises de parole après moi, mais je crois que ce qui est important, c'est que tout le monde puisse profiter de nos experts, de ces conférenciers. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir de pouvoir entendre l'expertise de ces messieurs. Et j'espère que voilà, ces conférences seront très inspirantes pour tout le monde. Et en tout cas, elles le seront pour nous, même si je ne peux pas rester. Mais je me ferai un plaisir de lire ce que vous allez dire et ce que vous allez écrire, messieurs. Et en tout cas, très belle soirée à vous tous. Je crois que c'est Rémi Neumann. Et merci à lui, il m'a cédé sa place. Merci Michel. Je vais pas être très long et il y a déjà beaucoup de salutations qui ont été faites, donc je ne vais pas resaluer tout le monde. Je voulais simplement dire que le programme Mulhousien a pris de l'ampleur ces dernières années grâce à une équipe de bénévoles, et je vais en citer quelques-uns, que ceux que j'ai oubliés m'excusent. Il y a Jérémy Biop, Lucien Mlinek, Sarah Favra, Jean-Baptiste Compin et Jean-Marc Lesage. Il y a aussi de nombreux architectes mulhousiens qui participent à cette aventure. Je citerai ceux qui sont là ce soir, M. Da Silva, M. Lindé, M. Delamazure. Et je rajouterai également Paul Béranger, qui est une des chevilles ouvrières, qu'il ne faut jamais oublier et qu'on peut applaudir. Je voulais simplement vous dire que je dois excuser Fabien Jourdan qui a des petits problèmes de santé et qui est en train de récupérer. Et je vais simplement rebondir sur deux, trois remarques qui ont été faites à la fois par Jean-Philippe Bouillet et M. Denu. Et là, je m'adresse plutôt à l'auditoire présent ce soir plus qu'aux conférenciers. Nous allons vivre une ou deux années devant nous très difficiles. M. Denu a parlé du prix. Les collectivités locales, actuellement, sont dans une impasse financière qu'on n'a jamais connue. Vous le voyez peut-être dans la presse, mais lorsqu'on va établir les budgets 2023, vous allez vous en rendre compte. Sur la base des prix actuels de l'énergie, et notamment du gaz et de l'électricité, au niveau de l'agglomération et des 39 communes, nous avons une plus-value de 24 millions à payer sur la base des prix actuels. Ce qui, dans certaines communes, représente pratiquement 100% de l'autofinancement, dans d'autres 25 à 33%. Et donc, clairement, les budgets 2023 vont être difficiles à boucler, et notamment, malheureusement, c'est les investissements qui vont trinquer. Nous sommes en train de réfléchir au niveau de l'agglomération comment nous allons faire, parce qu'il ne s'agit pas de tout arrêter. Il y a des projets qui sont en cours qui vont être arrêtés, en sachant que les projets qui sont déjà lancés, on a des plus-values relativement importantes du fait de la clause de révision des prix des marchés, ce qui est tout à fait normal et que nous allons bien entendu respecter pour mener à terme ces projets. Mais ça veut dire que tous ces millions qu'on va mettre dans les plus-values sur les projets en cours, on ne les a pas pour lancer de nouveaux projets que nous avions prévus les années prochaines. Et donc, on va devoir travailler de concert avec vous, les gens du BTP, les architectes, pour trouver des solutions pour passer cette période difficile pour tous.
Et paradoxalement, c'est en période de crise qu'on se remet en cause. Jean-Philippe l'a dit un peu tout à l'heure. C'est vrai que pour l'habitant de base, la transition énergétique, la sobriété, c'est très loin. Aujourd'hui, on nous parle, y compris au niveau du gouvernement, de quelques mesurettes qui vont nous permettre de réduire un peu notre consommation d'énergie. Mais c'est de loin pas suffisant. Il faut absolument qu'on réduise notre consommation d'énergie. Et la crise, en cela, a peut-être quelque chose de bon, puisque la taxe carbone avait été abandonnée à un moment donné et aurait peut-être permis d'encourager un peu plus les énergies renouvelables. La crise énergétique actuelle va nous obliger, nous, les élus, collectivités, régions, CEA et autres, à prendre des mesures et à investir dans la sobriété des bâtiments. Et donc, on fera peut-être moins de nouveaux bâtiments demain, mais il y a de gros travail à faire sur le patrimoine immobilier de toutes nos communes et de toutes nos collectivités locales. Et là, on aura également besoin de vous pour utiliser les nouveaux procédés, les nouveaux produits. Ce soir, la conférence est notamment sur le thème de la terre. Mais il y a effectivement, on aura besoin de votre expertise pour nous accompagner sur ce chemin, parce que l'argent va être difficile à mobiliser. Et donc, j'espère que cette crise nous permettra de gagner en rapidité pour la transition énergétique. Et tout ce qu'on ne consommera pas, ce sera autant de gaz à effet de serre de moins sur notre planète. Et en cela, ça sera peut-être une crise salutaire de ce point de vue-là. Donc, un moment difficile, on sera à côté de vous. Bien entendu, l'objectif, c'est de pouvoir mener un maximum de projets en 2023 et 2024. Mais ne nous en voulez pas trop. Nous devons aussi, dans cette crise avec l'inflation, limiter les hausses des impôts. Personnellement, je milite pour une hausse des impôts au niveau de l'agglomération pour qu'on puisse continuer à financer un certain nombre de projets et de services à la population. Mais toutes les communes ne peuvent pas le faire. Et donc, nous aurons des débats sur ce sujet. Et tout ça, c'est lié. On ne peut rien faire sans argent. Et donc, c'est un peu un cri du cœur que je fais. Aidez-nous à trouver des solutions pour passer ce cap difficile. Merci et bonne soirée. Also, bonsoir. Je vais structurer ma conférence. D'abord, je vais parler de travaux qui sont venus avec Theo München, avec l'École Polytechnique Fédérale et la Haute École de Lucerne. Donc, je suis encore à la Haute École de Lucerne et je pense que je vais y rester. C'est là que j'ai appris, mais j'enseigne aussi. Et puis, je vais donc montrer quelques travaux qui sont issus de mon travail d'enseignant et puis d'autres travaux de notre bureau, mais qui sont toujours très, très proches de l'enseignement. Je ne vais pas parler de la maison Rauch. Aujourd'hui, c'est peut-être Matkin qui va le faire. Je ne l'ai pas prévu. Voilà. Donc, je démarre avec le Ofenturm. C'est la tour de cuisson. C'est justement un projet qui a vu le jour en coopération avec l'École Polytechnique Fédérale de Zurich et l'Université Technique de Munich. En Lausanne, j'ai enseigné en 2016 à Lausanne. Aussi, là, j'explique, ce sont les étudiants de Munich qui ont réalisé ça pour le musée de la briqueterie à Cham. C'est la plus ancienne briqueterie encore de nos jours, mais qui maintenant est transformée en musée. Et là, c'est une tour. Ça devait être une plateforme pour tout ce site. Et ici, ce sont les projets des étudiants pour éventuellement faire une tour en terre battue, en pisé. Pourquoi en terre? Voilà, j'explique. Ça, c'est la Suisse et le climat de la Suisse ces dernières années. Comme on voit, c'est de plus en plus rouge au niveau du climat. Et il est évident que nous avons un problème avec le CO2, avec le surchauffement, le réchauffement climatique. Et il faudra voir comment on va faire pour gérer ces zones rouges pour qu'ils redeviennent un peu
bleu. Lorsqu'on regarde ce schéma ici, eh bien, dans les dernières dizaines d'années, on a effectivement avancé. L'isolation des maisons est meilleure. On a des systèmes d'énergie qui se sont améliorés. Il y a moins de pertes, moins d'inertie. Il y a du photovoltaïque. Et quand on voit ça à droite, on a fait quand même des choses pour faire baisser l'énergie pour faire fonctionner un bâtiment. Là, maintenant, on est vers 30-20% au lieu de 100 à l'époque. Et dans l'exploitation d'une usine ou d'un bâtiment, c'est compliqué aussi parce que le réchauffement climatique, c'est un grand défi. Alors là, ce qu'on vient seulement vraiment de prendre en compte, c'est l'énergie grise, l'énergie dépensée dans la construction de bâtiments. Là, ce qui est gris, c'est ce qui est un peu mieux. On parle de mobilité et d'exploitation. Ça, c'est déjà mieux qu'avant. Mais la matière grise, c'est encore un peu difficile. C'est la Fédération suisse des architectes qui a fait ces statistiques. Et je pense que ici, les 56% de énergie grise, c'est vraiment encore un problème et un grand défi. Et c'est vrai qu'il faut à chaque fois réfléchir. Il faut combien de mètres carrés par tête dans la construction. Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Et quand nous construisons du neuf ou du rénové, il faut réfléchir à employer des matériaux qui sont peut-être moins consommateurs d'énergie. Voici la structure. Qu'est-ce qu'il faut pour construire une maison? Donc là, il y a l'exploitation, la construction. Voilà, ce sont un peu, ici, c'est un peu technique et détaillé. Et là, en fait, c'est ce qui nous dit s'il faut construire du neuf ou rénover. Nous avons aussi des critères, domaines où nous pouvons prendre influence ou d'autres dents, mais là c'est pareil, c'est toujours dans la construction, l'exploitation et la mobilité. Donc dans la construction, il y a aussi la notion de la construction circulaire. C'est important. Donc il ne faut pas seulement construire en dépensant du CO2 avec les matériaux, mais il faut aussi penser à pouvoir recycler, réutiliser les matériaux. Donc respecter les cycles de vie des matériaux. Et je pense que les architectes, ça c'est leur quotidien, ça ne doit pas être différent en France. Mais la question, c'est toujours comment faire. Donc, je vais commencer avec cette tour de cuisson à Cam. Ça, c'est une maison circulaire et c'est un peu dingue, en fait, d'avoir une maison circulaire en terre battue, en pisé. Donc, ça, c'est à Cam, près de Zug, en Suisse, avec une ancienne briqueterie, avec le musée de la briqueterie où le public vient pour se familiariser avec cette histoire de la fabrication de briques. Et il y a aussi un site d'excavation où, à l'époque, on a creusé pour obtenir l'argile, la terre. Et ils nous ont demandé de construire quelque chose en pisé, c'est-à-dire avec de la terre battue. Donc ici, il y avait le site d'excavation. Ils voulaient que ça reste visible, plus le biotope, plus tout le site. Donc là, au fond, on voit cette tour qui a été développée avec les étudiants. Et il y a aussi un remblai ici. Et ce remblai, ça, c'est le matériau issu d'une construction d'autoroute. Et donc, il y a ce talus avec des matériaux d'excavation et de terrassement. Normalement, ce sont des déchets. Normalement, on l'enlève. Et là, j'explique un peu le matériau. Au début,
début, il y a une couche de houmous, ça c'est bien, mais cette, la prochaine couche, cette couche qui contient l'argile, c'est ça qu'on va jeter, qu'on va enlever. Et même enlever ces remblais, ça coûte cher et parfois on les achemine très loin, en Allemagne par exemple. Et là, il y a quelqu'un qui a examiné ça et ce qui est important, vous voyez ici les flèches là, les grosses flèches au milieu. Donc au milieu, il y a la construction et cette personne, elle a calculé qu'il faut autant de matériaux contenant qui entrent et quasiment la même quantité qui est après enlevée et recyclée. Et si on arrive à fermer cette boucle, ce circuit, si on travaille vraiment en circulaire, si on réutilise la terre, l'argile que normalement est acheminée pour s'en débarrasser, eh bien, ça serait une grande avancée. Et là, nos étudiants, et plus de 100 étudiants, ils nous ont aidés, ils ont conçu, ils ont filtrés, ils ont battu la terre. Ça, c'est le premier élément qui est livré sur le site de construction. Ils sont tout à fait fiers. Ce sont des éléments préfabriqués, donc en construction circulaire, qui ont été utilisés sur le chantier. Et là, on voit ça. Tous les éléments sont visibles. À la fin, ils sont assemblés, contraints par un plafond en bois avec des haubans. Et à la fin, les étudiants ont eu l'idée parce qu'on n'a plus le droit de cuire, de faire du feu dans l'ancien bâtiment. C'est interdit maintenant par la police du feu. Et c'est trop dangereux. Donc, les étudiants ont proposé d'intégrer un four ici pour pouvoir thématiser la cuisson des briques. Donc, nous avons construit ce four ici, puis l'escalier qui monte sur la plateforme. Ça, c'était souhaité par la maîtrise d'ouvrage. Et voilà. Donc, dans ce sens, une construction en pisé circulaire. Voici les éléments qui ont été fabriqués sur place. Ils ont été stockés pendant un an et l'escalier, elle a été introduite et la construction a été pré-contrainte avec ces haubans ici. Nous avons essayé avec cette pré-contrainte d'avoir besoin de moins de matériaux. On a aussi essayé d'avoir un résultat antisismique avec des aptitudes sismiques. Cet bâtiment, c'était vraiment un expériment. C'était la première fois que nous avons utilisé cette technique pour un bâtiment. Et on a aussi étudié le comportement vibratoire parce qu'il fallait savoir si la pré-contrainte, ça tient pour que la structure, elle ait des aptitudes sismiques. Et lorsque cette technique fonctionnait, et entre-temps on sait que ça fonctionne, eh bien on peut construire jusqu'à 40 mètres de hauteur. Si on n'avait pas fait ça avec cette technique, on n'aurait pu faire que la moitié en hauteur. Donc ça, c'est construction en terre. Normalement, il y a moins de charges possibles, mais avec la pré-contrainte, on peut avoir plus de charges. Donc, c'est un essai avec un ancien matériau, mais de trouver une nouvelle technique pour penser l'avenir avec cet ancien matériau. Parce qu'il faut de nouvelles structures de nos jours. Voilà l'intérieur. On voit le four. On voit aussi le chemin qui mène vers le toit. Là, on a
les cordes de pré-contrainte qui sont ici. Après, ça va servir à porter des briques. Le four, il a été muré avec des briques et on peut, il fallait aussi protéger les murs. Ça, c'était pas circulaire, mais le reste est circulaire. Donc voilà, et le tout, ça marche avec des haubans et même la porte. Voici, ça c'est la pré-contrainte des deux côtés. En haut, il y a comme des éléments qui fonctionnent comme des ressorts, et cela améliore l'aptitude de vibration. Voilà ce ressort qui équilibre la pression, la contrainte. Et ça, c'était l'idée d'un ressort complémentaire qui garantit donc la contrainte. Voilà la cheminée avec des pierres adobe et avec des charmottes. Donc, c'est de l'argile réfractaire. Et voici l'entrée et le four vu d'en haut. Donc là, il y a aussi une grille, et voici le toit. On peut arriver sur le toit, on a un petit parcours, et ici on a la vue sur le site entier. Maintenant, on a une série de photographes de Luca Ferrario. C'est un jeune photographe, artiste photographe, hein, qui a très bien photographié tout le projet. Vous voyez aussi les arêtes qui ont été renforcées avec du trace. Ça, on a vu à Lyon, parce que Lyon a vraiment une grande tradition dans la construction en pisé. Et ces détails, on les avait vus à Lyon pour renforcer les arêtes pour qui s'usent et s'érodent de moins. Voici encore la pré-contrainte et la porte. Voici ces éléments avec les pré-contraintes pour et ce ressort qui garde toujours la contrainte, et l'arrière avec le four. Cet été, le bâtiment a été fini l'année dernière, et cette année, le four, il a marché pour la première fois. Donc on a cuit les premiers briques, et c'était un vrai événement. Voici, on voit bien encore les joints, enfin les rainures et la pré-contrainte. Donc, c'était vraiment un expériment, cet essai de pré-contrainte. Et là, il y a eu aussi un précurseur pour ça. Ça, c'est une maquette qu'on a fait à Saint-Gallen. Martin a participé assez. Martin, il a été aussi dans l'enseignement. Il a participé et il a aidé à la conception. Et c'était la première fois quand on a utilisé ces pré-contraintes. On voit bien les câbles ici, mais là, c'était une maquette qui a été réalisée par des étudiants. Voilà les dessins. On voit bien les câbles, les haubans. Et là, c'est bétonné pour garantir la contrainte. Ça, c'était les étudiants. Et voilà le delta avec la pré-contrainte sur cette maquette. Et on voit que le problème que nous avions à Saint-Gallen, c'était que la pré-contrainte, elle a rebaissé. Et ça, c'était parce que nous avions tout construit sur place. Ce n'était pas du préfabriqué. Donc, nous n'avions pas testé au préalable les comportements vibratoires et nous n'avions pas le ressort. Au bout de 6 mois, la pré-contrainte a marché, mais c'était long parce qu'avec le béton, c'est sur 3 jours. C'est là que nous avons eu l'idée avec le ressort. Et vous voyez ici la courbe rouge, c'est celle
de dernier étage que j'avais, dernier exemple que j'avais, et en haut avec les zigzags, on voit bien que c'est du mouvement, mais c'est plutôt horizontal. Ça, c'est la tour avec le four. Et là, nous avons prouvé que nous pouvons maintenir la contrainte, et donc on peut utiliser cette technique même pour des bâtiments plus élevés. Voilà, Félix Burg à Nebelfeld, il a développé un système horizontal pré-contraint pour des plafonds, et puis il a dit que les plafonds, ça peut aussi être en bois, mais ça peut être de la terre cuite aussi. Les étudiants ont aussi réfléchi à des façons de construire hybrides, et nous pensons que le futur de l'argile, ça pourrait aussi être utilisé pour des constructions hybrides. Nous avons réalisé énormément de maquettes. On a aussi mélanger le béton et la terre pour essayer le comportement. Le béton, c'est juste la poutre qui supporte la charge, le transfert de charge. Et le reste, c'est de la terre. Là, nous avons aussi publié ce que nous avons réalisé avec les étudiants, mais nous avons aussi montré nos recherches. Là où on était à Lyon, nous avons lu, bien sûr, Cointreau. Nous avons regardé comment les Français, ils ont fait il y a 200 ans déjà. Construire avec la terre, en France, ça se fait depuis 2000 ans. Mais c'est revenu à la page dans le 18e avec Cointreau. Mais c'est vrai que la terre, l'argile, c'est bien pour chez nous. À Lyon, on voit qu'il y a des bâtiments qui ont plus de 200 ans, qui sont toujours très, très bien, mais qui sont presque pas connus. Et c'est pourquoi nous voulions les mettre en valeur. À Genève aussi, il y a des bâtiments en pisé qui ont survécu les siècles. Et on a déjà réalisé ces bâtiments il y a plus de 300 ans. Voici, ça c'est une porcherie, il me semble, en France, et près de Lyon, à la campagne. Et on voit comment ils ont muré en bas pour stabiliser les fondations. Après, ils ont stabiliser les coins, et lorsqu'on observe ça, on peut vraiment bien apprendre des choses. Ici, c'était une maison, une ferme près de Lyon. Je recommande vraiment d'y aller pour visiter. C'est vraiment la construction en pisé traditionnelle, et on peut, avec le livre qu'on a réalisé, on peut le prendre comme un guide et aller visiter ces exemples-là, même les nouveaux en Suisse ou en Autriche. Alors, je voudrais vous montrer encore deux exemples. À notre école polytechnique, là, on a développé une maison avec ce système circulaire de recyclage, de récupération, avec plusieurs composantes. Donc, tout comme pour la tour de cuisson, il fallait partir de ce principe, ou sinon prévoir que nos maisons sont autosuffisantes. Voilà, c'est à Zurich. On a donc recueilli, assemblé tous les éléments. Chaque élément a été documenté. C'est une excellente maison, très belle. Mais bien sûr, les architectes perdent parfois le contrôle avec ce système circulaire. C'est peut-être une autre manière de travailler. Mais bien évidemment, le bilan CO2 est fantastique. Et la maison en tant que telle est un entrepôt. Et c'était une belle réussite. Voilà quelques dessins de construction qui permettent de voir l'usage de ces éléments recyclés, récupérés. Une autre histoire,
la terre sert également pour une exploitation passive. On peut, par exemple, réduire la chaleur grâce à l'argile. Et c'était un sujet que nous avons repris lors de la construction d'un bâtiment à Zurich avec des baies vitrées d'un côté et de l'autre côté une grande tour en pisé. Il y a donc une circulation d'eau qui permet donc que ça soit une maison passive avec l'aération, avec donc ce système circulaire. Ce sont donc des systèmes d'exploitation intelligents qui permettent de réduire la consommation d'énergie. D'autres étudiants ont élaboré des colonnes. Les coffrages, ce sont en fait des fûts, des barils de pétrole, et qui ont servi donc de coffrage ou d'armature. Ils ont donc développé des formes voûtées et élaboré une structure de ces barils recyclés avec un système hybride, donc avec du bois également. Et c'est également un grand succès. Voilà, vous voyez les colonnes hybrides, ce qui nous mène au sujet des systèmes intelligents hybrides. Voilà, ici, vous avez donc un mélange de neuf et de vieux, des éléments recyclés, combinés, la terre battue et du bois, ce qui permet donc une autre manière de s'exprimer. Il s'agit également de trouver notre langage. Nous, en tant qu'architectes, c'est vraiment, pour nous, c'est une période extrêmement passionnante. Parce que nous avons du coup la grande opportunité de réfléchir, de repenser la manière de construire une maison. Et c'est vraiment passionnant. Et ces matériaux nous permettent donc de développer d'autres approches. Et je pense que c'est un bel exemple ici. Un autre groupe d'étudiants a trouvé une ancienne technique où on enveloppe d'argile ces éléments de bois. Je ne savais même pas que ça existait. Ce sont les étudiants qui l'ont recherché et repéré. Et ce sont d'ailleurs des bâtiments qui sont très bien isolés contre le bruit. Donc une bonne isolation acoustique. Un autre exemple, c'est Awis qui a travaillé avec des systèmes de contraintes. C'est donc le système de pré-contraintes appliqué cette fois-ci sur le bois et qui permet donc de prévoir plusieurs étages. C'est donc une sorte de hub, ce bâtiment, pour la répartition de certains objets, de drones notamment, qui distribuent le courrier. Donc, un autre exemple pour la combinaison des techniques anciennes et neuves. Voilà donc également une approche hybride. Voilà, j'arrive maintenant au projet en tant que tel, le Steel House. Je pense que Martin était également impliqué dans ce projet. C'était donc un appel d'offres qui a été lancé par l'école même. Et donc la Fachhochschule de Winterthur a été demandée qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avenir pour développer l'acier de manière intelligente et durable. Voilà, nous, comme d'habitude, nous avons dit l'avenir, ce sont des systèmes hybrides intelligents et on va donc combiner le pisé avec l'acier, à savoir en l'espèce de l'acier récupéré, recyclé.
à Rapperswil, à la gare. À proximité de la gare, il y a un bâtiment, un foyer pour étudiants, avec une zone commerciale au rez-de-chaussée, avec un centre qui donc stabilise l'intérieur de ce bâtiment. Et l'ensemble, de nouveau, ce qui n'est pas une surprise, est précontrant. Sur 25 mètres, ça fonctionne avec donc une structure portante en acier récupéré, recyclé. Voilà la coupe transversale. C'est la même idée que la tour de cuisson. Et on ressent un peu le potentiel inhérent. Il ne suffit pas de prévoir un ou deux étages. Il faut également trouver des bâtiments, moyens pour construire des bâtiments à plusieurs étages. Au centre-ville, par exemple, comme cette tour de cuisson, ou dans le milieu urbain, voilà une idée, un système précontraint avec des murs au niveau inférieur qui sont remplis de terre. Voilà l'idée de précontrainte étalée sur 6 étages, et les étudiants montent également aider à élaborer cette maquette, donc avec un très bon bilan CO2 grâce à l'argile, à la terre, sous forme de structure hybride. Donc on ne va pas diaboliser tel ou tel matériau, non, mais il faut les utiliser de manière intelligente et les impliquer dans notre structure. Voilà encore une fois la coupe transversale. Voici l'idée, l'avant du bâtiment. Et maintenant, j'en viens au potentiel de la terre battue, de l'argile. L'idée ici, c'était, et d'ailleurs, le bâtiment a été réalisé sous cette forme et a même remporté le prix du concours. Il y a donc des collecteurs d'eau et des photovoltaïques. Ensuite, il y a des réservoirs d'eau. Et dans les murs en terre battue, il y a des serpentins chauffants. L'exploitation du bâtiment près de la gare est un système unique et nous profitons de la structure pour économiser de l'énergie. On a pu donc réduire de 67% la consommation d'énergie. Le bilan CO2 est déjà excellent par rapport à des constructions traditionnelles. Et cela donc nous permet de réaliser des locaux ou des appartements excellents. Voilà les réservoirs d'eau qui permettent donc de maintenir la chaleur. Donc, on joue avec ce système de rétention d'eau, ce qui permet donc de chauffer les appartements. Voilà, c'est ce que je voulais dire par trouver notre langage. C'est une bonne idée de trouver un langage pertinent. On cherche des réponses, mais peut-être que les réponses sont ailleurs. Donc, on aime bien être surpris par les étudiants. Cela a une grande influence sur mes travaux. Voilà, je ne vais pas être trop long non plus. J'ai un deuxième et troisième exemple près de Zurich. C'est une tour sous forme de construction hybride. Les trois premiers étages construits en béton, après une structure en bois et mélangée avec du pisé. On ne peut pas encore réaliser des tours en pisé, mais on peut donc inventer des systèmes mixtes, hybrides,
et donc utiliser des matériaux qui ne sont pas énergivores. Voilà. L'énergie d'exploitation est réduite grâce à des éléments photovoltaïques. Le master plan, c'est Peter Merkley, mon professeur, mon ancien professeur, l'a réalisé et on a remporté le prix du concours. Peter a donc réalisé une tour. Nous, on va réaliser une autre tour et on essaye donc de se servir de ce système durable avec une structure hybride et donc de faire en sorte que le rez-de-chaussée est plutôt un espace public avec 150 appartements à peu près répartis sur cette structure en bois. Voilà, c'est un projet passionnant. L'intéressant du bois, c'est qu'il y aura un dépôt de CO2, c'est-à-dire on a un bilan positif si on fait le calcul, parce que nous avons fait des économies en CO2. Voilà les éléments photovoltaïques. Ça nous a permis de trouver des réponses également avec des constructions qu'on a vues en France. Mais on n'a pas pu réaliser tous les projets en bois uniquement parce que c'était une question de la protection contre les incendies. Voilà. Il faut suffisamment de masse. Donc, j'ai des éléments porteurs en bois, des constructions en être massif, avec 5 fois moins de colle que les constructions traditionnelles. Voilà les comparaisons. On a comparé avec des structures en béton, en bois, donc 30% d'économie, mais presque autant d'économies grâce aux économies de CO2 en utilisant le bois. Donc, dans ce sens, c'est très utile de pouvoir économiser du CO2. Et l'installation photovoltaïque a été installée de manière horizontale, ce qui a permis de doubler les surfaces. Et nous avons à peu près 50% de couverture grâce à cette position verticale. Voilà la coupe transversale, une construction en bois de Sacha Brodsky, un artiste russe qui coopère avec nous et qui a également réalisé 2 petits bâtiments. Voilà donc l'expression, l'ambiance de ces locaux, de ces salles, avec des éléments en pisé. Voilà le rez-de-chaussée, le changement de structure. Il y a une cafétéria, l'entrée, le lobby et des postes de travail avec la structure en bois et la façade, les éléments photovoltaïques qui fonctionnent comme des brises soleil. Voilà, on voit qu'on peut donc proposer jusqu'à 15 différents types d'appartements avec un agencement différent. Il y a à peu près 12 appartements différents qui sont réalisés. Voilà l'ambiance. Et également sous forme hybride, pour la régulation de l'humidité. Là aussi, c'est un atout de cette construction. Voilà. C'est donc une maison à proximité de la ville. Alors, le centre de natation et de sport, proche de Zurich, ce sont des concours que nous avons gagnés. Il y a 5 ans, on n'aurait pas gagné ces concours avec ces concepts-là, mais aujourd'hui, les gens sont prêts.
il voit ça de manière positive. Et ce centre sportif à Zurich, eh bien, il paraîtrait que ça va être le plus grand en Europe. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Et on nous a demandé d'être au TARC, au niveau énergie. Est-ce que c'est possible, avec une si grande structure, d'économiser du CO2? Ça, c'était le défi. Là, ce que vous voyez en blanc au milieu, ça, c'est le bâtiment. Il y a des stades autour. C'est comme ça que à quoi ça ressemble. Nous avons construit des colonnes autour avec des éléments photovoltaïques pour produire de l'électricité. Ça, c'est une esquisse que j'ai faite. Et voici ce que nous avons fait. Le stockage de l'énergie, bien sûr, ça, c'est un grand sujet. Nous avons des citernes d'eau qui sont recouvertes d'éléments photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques, pour générer de l'énergie. Nous avons développé un système et là, je dois dire que la maîtrise d'ouvrage était très intelligente parce que là, il y a une patinoire à côté d'une piscine et en fait, le refroidissement et de la patinoire et le chauffage de la piscine, en fait, ça c'est des vases communicantes. Et donc, il y a un équilibre thermique. Mais pour ne pas perdre l'énergie vers le haut, nous avons proposé des citernes d'eau pour récupérer l'énergie. Et voici, cette maison, elle est vraiment autarque au niveau énergétique. Il n'y a pas de système de chauffage qui vient d'ailleurs. Le bâtiment est autonome et autarque. Et ça, c'est assez dingue pour un centre de sport de cette taille. Il y a 20 ans, ça n'aurait pas été possible. Et voilà, l'aspect, il est assez particulier aussi. Nous avons utilisé des tours en terre avec une structure pré-contrainte en bois. Ça, c'est pas possible avec de la terre parce que c'est une structure énorme. Et ces structures de pré-contrainte en bois, ça vient en fait de la construction de ponts. Pour les constructions, il n'y a pas. Et donc, ça, c'est au-dessus des piscines. C'est la structure. Il n'y a que ce qui était indispensable à construire en bois. Et voilà le plan avec la patinoire, le grand bassin, 50 mètres, avec un plongeon, avec les vestiaires, avec la partie fitness, enfin, tout ce qu'il faut pour un centre sportif comme ça. Voici la piscine qui a des dimensions énormes. La piscine en situation de stockage, la partie plongeon avec les plafonds qui sont encore plus hauts. Ça, c'est la vue vers l'extérieur avec la tour en terre et les murs en terre, le plafond avec les citernes d'eau. Et il y a aussi des parties wellness, spa, hammam, sauna. Et voilà, donc là, il y a un petit peu des aspects qui ressemblent à la maison Rauch avec les murs en terre. Et voici la patinoire et la production de la glace. Voici la coupe et peut-être une des dernières images. Ce sont vraiment des ambiances. Moi, quand je vois ça, je pense au Centre Pompidou. L'architecte Rogers, il a joué aussi avec ça, avec ses tuyaux, avec les rondeurs. Et c'est vrai qu'il a déjà eu des très bonnes idées. Et ça me rappelle un peu ces idées-là, c'est-à-dire la tuyauterie, elle est placée à l'extérieur pour remplir quelques fonctions. Et cela peut trouver des expressions et des ambiances et des aspects tout à fait particuliers. Voici le rendu à l'extérieur. Ça, c'est sur l'ancienne fondation qui a été recyclée.
et qui est donc réutilisé pour le bâtiment neuf. Nous utilisons aussi toujours de réutiliser, de recycler des éléments de l'ancienne structure. Ici, des éléments de l'ancienne piscine et puis compléter avec des murs en terre. Nous avons gagné ce concours parce que nous étions les seuls à proposer une construction réellement autarque en énergie, autonome en énergie. Mais bon, moi, je trouve que c'est devenu très joli aussi. Le projet, il est très beau. Mais le défi, c'est quand même de trouver des réponses positives. Parce que c'est vrai, on l'a entendu, on peut désespérer dans la situation actuelle. Voilà. Moi, j'espère ne pas avoir été trop long. Mais j'arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait répondre à vos questions ensemble et si vous êtes d'accord, on continue dans la foulée. Martin Rauch, est-ce que vous êtes d'accord? Bonsoir. On parle de construction en terre, de ressources. On a entendu ce soir parler de crise en introduction et qu'il fallait trouver des solutions. Pour moi, une solution, c'est de construire avec la terre. Parce qu'avec la terre, avec l'argile, on peut vraiment économiser des ressources. Et c'est surtout une façon de construire très ancienne. Au début, j'étais céramiste et déjà là, les trois mots argile, glaise, terre, c'était vraiment les termes que j'ai préférés. J'ai écrit mon mémoire de fin d'études là-dessus et c'est aussi le nom de mon entreprise, argile, glaise, terre. L'argile, pour moi, c'est vraiment le symbole pour la beauté, pour l'architecture. Et la terre, c'est le symbole pour l'écologie, pour le côté durable et aussi le côté politique, l'aspect politique de la construction en pisé ou en terre battue. Et pour moi, le défi, c'est d'avoir ce rapport entre l'esthétique, la beauté et l'écologie. Pour moi, ça ne suffit pas que ça soit beau, mais pas du tout écologique ou super écologique et moche. Donc, dès le début, l'esthétique était très important pour moi et même le toucher, comment combiner des matières. La construction hybride, c'est ça l'avenir. La combinaison de plusieurs matériaux, la terre, le bois, l'acier, des matériaux renouvelables. Ça, c'est important. Et puis, la conception. Ce sont mes projets phares. En 1989, j'ai gagné un concours en tant qu'artiste et je voulais avoir un mur en pisé de 180 mètres de haut et 7 mètres de large, 7 mètres de haut et 180 de large en double peau à un hôpital. J'ai gagné le concours et en fait, après, il fallait faire. À l'époque, je ne savais pas du tout comment réaliser ça. C'était juste une idée. C'était une idée artistique, mais ça reste pour moi un des projets les plus importants. Un autre projet, c'est la Versöhnungskirche à Berlin. C'est un bâtiment en pisé et la première construction en terre et en terre battue en Allemagne depuis des siècles. Mais je trouve que c'est très intéressant que ces bâtiments qui poussent
hors du sol comme des champignons et avec la même matière que celle sur laquelle ils sont posés. Ça, c'est au Maroc. C'est une ancienne casbah. Et cette image, je ne sais pas, est-ce que ça nous fait peur, ça nous rend triste, ou est-ce que ça montre le potentiel de cette construction en terre? Nous avons oublié qu'on peut construire des grandes maisons. Nous avons oublié que les riches et les pauvres ont construit avec la terre. Lorsque j'étais en Chine, j'ai vu qu'il y avait des magnifiques structures en Chine. C'est une vraie tradition de construire en pisé. De 2011 en 2013, la Chine a utilisé plus de béton que les États-Unis dans les 100 dernières années. Nous utilisons, nous gaspillons des ressources. Et si tout le monde construisait comme nous aujourd'hui avec le béton, l'acier et tous ces matériaux, si on continue comme ça, eh bien, ça ne suffirait pas. Nous n'avons pas l'énergie pour tous ces matériaux de construction. Et il faudrait trois mondes pour faire tout ça. Voici ces anciennes structures. Eh bien, on pourrait effectivement continuer à discuter pendant des heures. Roger l'a déjà montré. La construction en pisé, c'était un matériau traditionnel en Europe. Une maison en terre, elle a besoin d'une bonne botte et un bon chapeau. Et à ce moment-là, cette construction, elle est tout à fait durable. Elle peut perdurer des siècles. En Europe, la construction en pisé, ça fait partie de notre tradition. Roger l'a déjà montré. Et cette maison ici, ça, c'est une construction en pisé de 1827 avec 7 étages et qui est toujours en très bon état. Pourquoi nous n'arrivons plus à faire cela? Et c'était la réflexion pour moi lorsque j'ai construit ma propre maison. Que de faire du moderne, du neuf, avec un matériau ancien. Avec Roger, nous avons travaillé ensemble sur ce projet-là. Nous voulions une enveloppe en pisé qui sort de la terre, comme l'image de la casbah, donc en 100% construit en terre et faire une maison belle et moderne. Elle vient d'où, la terre? L'argile, c'est rien d'autre que la roche érodée. Nos montagnes, sous cette enveloppe verte de la terre, eh bien, il y a tout ce qu'il nous faut pour construire. Et c'est une ressource inépuisable. Il y a assez de ça, parce qu'on ne peut pas empêcher l'érosion. Et ce matériau ici, ça s'appelle du gravier argileux, parce que c'est lourd et ça colle. Ça colle. Mais en fait, on appelle ça Pechstot en allemand. Mais Pech, c'est aussi bien la braie, mais c'est aussi le même mot pour la malchance. Parce qu'on dit que celui qui veut du gravier, il veut pas l'argile qui colle. Donc, du coup, il avait de la malchance. Donc, c'est le même mot. On parle toujours de construction circulaire. Le matériau d'excavation, c'est le plus important. Roger l'a dit tout à l'heure, la Suisse exporte le matériau d'excavation dans le même volume qu'elle importe du matériau de construction. Et nous voulions en fait garder le matériau d'excavation pour la construction. Voici, ça c'est l'excavation pour ma maison, pour les fondations de ma maison. Et lorsqu'on fait passer ça à travers un tamis et qu'on le mélange avec de l'eau,
on obtient l'argile. Et cette argile, c'est comme une colle. Ça, c'est là où on a fait l'excavation pour construire ma maison et on a utilisé tout le matériau pour la construction. Donc ça, c'est du flux, c'est un dépôt sédimentaire détritique et c'est à 100% le même matériau, sauf que la densité, elle est un peu différente. Le bâtiment a été construit comme une maison ancienne. Il y a 300 ans, on aurait construit de la même manière. Ce sont des murs porteurs, 45 cm d'épaisseur, avec des poutres, avec des sols, des planchers en terre. Nous, on s'est dit que tout ce qui est utilisé comme élément de construction doit être facilement démontable. Et lorsque ça retourne dans la terre, il ne faut surtout pas polluer la nappe phréatique. En théorie, la maison, elle pourrait être redétruite et elle serait rendue à la nature. Mais une maison en pisé, ça peut être tout à fait élégant, Ici, ce sont des enduits en terre. Le sol, c'est exactement les mêmes matériaux que les murs, mais imperméabilisés avec de la cire. Et à l'extérieur, on voit l'érosion, la qualité des matériaux, la lumière. Ces murs en terre, c'est presque en trois dimensions parce qu'on ressent le matériau. On a aussi les bandes en briques pour protéger le bâtiment de l'érosion. Et voici, vous verrez que ce sont tout simplement des pierres, de la roche concassée avec la terre. Il n'y a rien d'autre. Et cette érosion calculée, c'est un peu comme la montagne. C'est exactement la même chose. C'est une érosion en permanence. Les particules fines sont délavées. On a ici des bandes en mortier calcaire qui ont été compactées avec, qui empêchent une érosion plus importante, et cela ralentit le flux de l'eau et donc l'érosion. Dans notre maison, c'est en 2018 et en 2008 en comparaison. Donc vous voyez, avec l'érosion, la surface, elle est un peu plus rugueuse. Il y a de nouveau un dépôt sédimentaire et c'est un flux continu. L'érosion calculée, c'est plus un problème psychologique que technique. Psychologique parce que une fois que ça se délave et qu'on voit la terre un peu en bas, on prend peur, on ne fait pas confiance à ce matériau, on a l'impression que c'est trop mou, mais cette porosité, en fait, c'est une de ses qualités les plus importantes. Il y a plein d'autres exemples. Il y a beaucoup de civilisations et de cultures qui ont utilisé le pisé. À Grenoble, par exemple, ils ont utilisé le mortier à base de calcaire. Donc, on a su réagir de manière artisanale et d'apprendre. Mais je reviens à la terre. Cette terre pure, ça, c'est vraiment le matériau d'excavation, et cette terre pure, elle existe partout dans le monde. L'érosion existe partout dans le monde. On parle de 40 techniques de construction de terre différentes sur terre. Dans d'autres pays, la chose a été réinventée parce que la géologie était ressemblable. On n'a pas besoin d'une terre particulière. Il y a plusieurs sortes de terres qui s'y prêtent. Voici notre matériau.
C'est vraiment ce matériau d'excavation. Ça vient... c'est vraiment recyclé. Ça, c'est l'excavation. On va le faire passer par des tamis. Et après, on l'utilise. Il y a le matériau A, le matériau B et le matériau C. Et selon la qualité, c'est mélangé. Mélangé avec un mélangeur comme pour mélanger le béton. C'est comme une recette. Hein. C'est comme comme faire du vin. Là, on essaye de trouver le bon mélange. Et on peut faire ça avec une machine, mais on peut aussi le faire avec les mains. Et c'est ça qui est génial avec la construction en terre. C'est partout pareil dans le monde entier. Je peux avoir la même qualité. On peut aussi compacter à la main, comme on l'a fait à la basilique à Worms. On a réalisé un projet avec Anna Heringa. Ça, c'était pour le 1000e anniversaire de la basilique à Worms. Nous avons conçu un hôtel en hauteur et le noyau de cet hôtel, ça, c'était en pisé et nous avons invité les citoyens de Worms de participer pour compacter cette terre. Nous avons des compacteurs de sol, des appareils de compactage, comme on les utilise dans les travaux de terrassement, à air compressé. Ici, c'est compacté dans le coffrage. Mais lorsque c'est un projet de plus d'ampleur, on peut aussi le faire avec des machines. On peut faire le remplissage par des machines. Après, c'est compacté. On peut aussi le faire avec de différentes manières, comme vous le voyez ici, avec une dameuse. Nous n'essayons pas de changer le matériau, mais de faire évoluer les outils. Nous avons trouvé des moyens de préfabrication dans ces coffrages. C'est rempli, ensuite c'est compacté, c'est damé, et du coup cela évite, les machines remplacent le travail manuel qui est parfois pénible. L'intelligence de l'homme, c'est ça, c'est de construire les outils. Le matériau, il existe, mais comment l'homme il fait et avec quoi il le fait, c'est ça l'intelligence de l'homme. C'est de la terre pure, c'est de la nature pure, juste séchée. Voilà, il y a trois pilonneuses qui font le travail de 10 personnes. Mais il faut moderniser la construction en terre, il faut développer ou faire évoluer les outils. Un autre outil, c'est cette usine ici que j'ai planifiée, que j'ai construite. Donc là, on a une machine centrale qui a déjà servi pour plusieurs projets que nous transportons. Là, nous préfabriquons des blocs en pisé et ces blocs sont prélevés, sortis, coupés selon les besoins. Ça, c'est une manufacture. C'est comme ça que ça s'est fait avant. Mais ça pourrait être plus moderne, complètement automatique. Et après, c'est compacté de manière automatique. Et si on automatise et industrialise, on pourrait construire des villes entières avec ça. Et ces blocs ont uniquement une réduction d'équilibre de 8%, c'est-à-dire il ne faut aucune énergie
pour sécher ces éléments. Pourquoi est-ce que nous sommes amenés à utiliser des machines? C'est parce que notre système économique est erroné. Notre force de travail est trop imposée et non pas les machines. En Arabie Saoudite, on est en train de réaliser un grand projet de grande envergure. Nous l'accompagnons. La production se fait de la même manière, avec un coffrage très long et avec un compactage manuel. Donc on peut obtenir la même qualité grâce à un grand nombre d'ouvriers qui produisent tout aussi vite la même quantité. C'était en 2015. On a donc réalisé une usine complète qui permet de produire ces éléments de pisé. Il y a une vingtaine de personnes qui remplissent le coffrage avec la terre. Ensuite, il y a donc une armature. Et on a, par exemple, construit cette structure avec des murs en pisé énormes. Donc, tout cela a été réalisé avec des éléments préfabriqués en pisé. Vous ne voyez pas de fente, pas de joint, mais c'est une structure énorme réalisée sur la base du matériau d'excavation et compacté. Voilà, le système circulaire fonctionne également lors de la préfabrication. On recycle, on récupère, on traite, on compacte, on transporte, on ajuste les fentes et voilà. Le circuit est fermé. Le seul problème, c'est que la glaise est soluble à l'eau. Mais c'est aussi un atout parce que je peux donc construire des structures de grande envergure. J'en reviens au volet histoire. En tant qu'étudiant, j'étais fascinée par ce livre de Cointreau, un architecte français que vous connaissez peut-être. Ce livre a été publié et même traduit dans 7 ou 8 langues en 1790. C'était avant l'industrialisation, avant donc d'exploiter massivement le charbon, le pétrole. Et Cointreau a très bien démontré comment on pourrait moderniser la construction en pisé. Il a écrit notamment que la construction en pisé, donc la terre battue, est vraiment une technique à la base de terre battue sans d'autres ingrédients qui permettent donc de construire des murs et des bâtiments de manière abordable et pérenne. C'est incroyable. Il y a 200 ans déjà, on nous a fourni la recette, mais on ne l'a pas utilisée, raison pour laquelle nous avons maintenant une crise climatique. Bon, voici quelques exemples. C'est mon atelier. Situé dans un contexte au centre d'un village, à proximité d'une zone industrielle. Voici donc le hall, le village. Et on avait donc prévu une paroi anti-bruit avec une bonne isolation acoustique insonorisée. Donc le mur en pisé est un mur porteur. Ensuite, vous voyez les poutres en bois et le reste des constructions en bois. Voilà, donc les travaux ont été réalisés sur place. Quelques impressions de cette œuvre. On peut donc facilement construire sur place. Mais peu importe si vous utilisez des éléments préfabriqués ou si vous construisez sur place,
c'est toujours une question de ressources et de temps. Avec les éléments préfabriqués, tout se passe plus rapidement. Voilà la construction en bois. Comme je disais au début, le bois et le pisé, ce sont vraiment les matériaux de l'avenir. Et on peut également construire des structures portantes. Voilà, ce sont des éléments en pisé. Et l'ensemble du toit repose sur ces éléments. Nous avons 100 mètres carrés de chauffage solaire qui est donc stocké dans ce sol. Et l'atelier est chauffé à 70% grâce à l'énergie solaire. Pas de pétrole, pas de charbon, uniquement du solaire. Et l'électricité provient d'une petite centrale hydraulique à proximité. Voilà, ça c'est notre outil. Nous avons énormément de travail et il y a trop peu d'usines, trop peu de lieux de production, trop peu d'entrepreneurs qui prennent au sérieux la construction en pisé et qui savent réaliser ces constructions. On pourrait construire les maisons de cette façon. Une fois qu'on a reconnu que la terre est un excellent matériau de construction, donc on peut utiliser les blocs monolithiques qui sont assemblés. C'est très simple. C'est comme un enfant qui construit une maison. Le deuxième étage, donc au bout d'un jour, on peut réaliser un étage. On pourrait donc prévoir vraiment de construire des quartiers entiers. Pour ce qui est de la planification, il y a donc le plan de l'architecte et la maison est assemblée comme une construction Lego. Voilà. Et dans la production, c'est réalisé, c'est numéroté et transporté. Vous voyez, l'ambiance, elle est chaleureuse. C'est vraiment un grand luxe de vivre dans un bâtiment en pisé. Les murs en pisé sont palpables. La structure peut être ressentie. Les enfants aiment beaucoup toucher les murs, le sol. Et ces dalles ou ces carrelages sont fabriqués à partir de glaise, tout simplement, ce qui donne une ambiance très particulière et très saine, ce qui est très important pour notre avenir. Donc la terre, elle est vraiment le champion de ces matériaux. Voilà quelques exemples de combinaisons de terre et bois qui datent déjà de l'année 1999. Pourvu d'un système d'aération. Un autre exemple, le centre de l'entreprise Ricola, c'était une usine, c'était un vrai projet phare pour nous. C'est donc une construction hybride avec des éléments en béton. Et quand j'ai construit ce bâtiment, j'ai souhaité construire un tel bâtiment avec le pisé en tant qu'élément porteur. Mais il faut procéder petit à petit et développer cette technique. Bon, pour beaucoup de projets réalisés, on peut dire que l'ensemble des matériaux ont été fournis à proximité dans un rayon de 8 km. Voilà, ici on a reçu le matériau d'excavation, là on a récupéré le gravier, les pierres. Et ces 5,5 tonnes ont été transportées très très peu, sur des distances très courtes.
Voilà, on a coupé les blocs, on les a séchés sans utiliser de l'énergie, uniquement en les laissant sécher dans cette usine. Après, donc cette entreprise Ricola produit des bonbons et c'est pour ça que tout a été soumis à un procédé de certification. L'intérieur a uniquement été revêtu de mortier de glaise et à l'extérieur, on a une sorte d'enveloppe. Un autre projet, un bâtiment à 3 étages avec des bureaux et avec des éléments isolés. Vous voyez ici, vous avez une isolation en verre cellulaire. Pour ce projet, nous avons modifié notre ancienne machine, nos outils, amélioré nos machines. Et ensuite, nous avons produit sur place, directement sur le site, avec une grue spécifique pouvant donc lever des charges jusqu'à 12 mètres. Vous voyez la façade, c'est une construction hybride en béton et en terre. Voici dans la construction en bois, vous retrouvez les éléments porteurs. Donc c'est vraiment un bâtiment innovateur qui montre que le pisé permet tout à fait de construire des bâtiments de grande envergure. Il faut vraiment mettre tout ça dans la pratique. À présent, nous travaillons pour le Forum Saint-Michaël. C'est un bâtiment en pisé avec des structures portantes à 2 étages partiellement. Anna Heringer l'a également développé et elle a été très impliquée dans la mise en œuvre. La géométrie est très complexe, mais il y a des murs de 75 cm, des murs porteurs et toute la construction est répartie sur des blocs. Donc construits sous forme de blocs. Les blocs sont fabriqués, préfabriqués et ensuite transportés, acheminés sur le site. Le potentiel de la construction en pisé est énorme. On peut, par exemple, fabriquer des parois anti-bruit avec une excellente isolation acoustique et phonique, mais également avec de la terre et de l'acier. Ici, par exemple, nous avons réalisé la première tour d'ascenseur. On dit toujours que ces tours doivent être fabriquées en acier. Non, mais c'est possible, c'est parfaitement possible de construire une tour d'ascenseur en terre battu. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les experts en statique ont dû inventer des solutions. C'est plus compliqué que la construction d'une église. Mais il y a également un potentiel de ces constructions en pisé pour les sous-sols. Comment dirais-je ? La terre est un matériau génial. Le problème du béton, c'est qu'il représente 7% des émissions de CO2, l'acier également, et on l'utilise de manière presque inflationnaire parce que ça coûte pas beaucoup. Ici, on a par exemple réalisé des murs en
pisée de 60 cm avec un toit plat qui, rempli de terre. Donc il y a énormément de potentiel. Ou ici, une zone résidentielle qu'on est en train de réaliser en ce moment. Voilà, je ne vous ai montré que quelques images pour vous donner envie, pour élaborer cette technique, pour l'améliorer. Et je ne peux que souligner que la construction en pisé peut être une structure portante. La fibre est tout à fait apte. À porter des charges. Et ces deux critères, la fibre et la terre, permettent donc de porter des charges. Et il faut les mélanger de manière intelligente, ce qui nous permettra de construire nos villes de l'avenir. Mais n'oubliez surtout pas l'esthétique. L'esthétique, la beauté, c'est très important. La santé. Dans le cadre de notre nouveau projet, nous avons conçu ces murs selon ces critères. Voilà, j'arrive presque à la fin. Quelques exemples de projets réalisés par des étudiants. Par exemple, ici, l'idée était de réaliser un pavillon avec des éléments préfabriqués en terre. Et j'ai mis à disposition des étudiants mon atelier pendant 15 jours. Ils ont vécu carrément là-dedans. Ils ont tout réalisé, tout développé. Ils ont déplacé la clé de voûte. Et on voit à quel point on peut façonner ces éléments, réinventer de nouvelles formes. Je pense que si on se retrouve dans 15 ans, il y aura des centaines de milliers de projets fabriqués à la base de pisé. Bien évidemment, nous avons également des services de recherche et nous avons tenté de développer cette structure, vraiment de pousser les limites. Roger l'a montré. De travailler juste près des limites. Quelles sont les limites de la terre battue? C'était ça notre questionnement. Nous avons besoin de la recherche et du développement pour avoir de la confiance en ce matériau de terre battue. C'est ça notre problème. C'est la confiance qui manque. Et pourquoi? Parce que nous ne savons pas suffisamment, parce que nous ne ressentons pas le matériau. Mais les choses bougent. J'ai beaucoup d'instituts, d'instances, d'entreprises qui sont en train de faire des recherches sur le pisé. Par exemple, cette construction de toit pour... un bâtiment durable de bureaux. Et nous avons réalisé un prototype en utilisant du bois et de la terre battue pour le toit, pour les plafonds. Bon, il est éminemment important d'avoir des éléments ignifugues et résistants à la chaleur. Il faut bien évidemment développer les machines, les outils. Déjà en 1980, j'ai gagné un concours pour des maisons locales en Afrique et j'ai donc dit il faut transporter les machines pour travailler sur place, sur le site, avec le matériau local. Ensuite, le transfert de savoir-faire. Il nous a fallu 10 générations pour oublier la construction en pisé. Le savoir-faire, les connaissances n'ont pas été transmises de père en fils. Il faut
réinventer, redévelopper tout ça. Et la nouvelle génération, ce sont nos enseignants de l'avenir. Nous recherchons du personnel qualifié pour la construction en Pisé. Nous avons 40 personnes maintenant parce que la demande est énorme. Mais nous avons du mal à trouver du personnel. Par exemple, en Arabie Saoudite, nous accompagnons et conseillons lors d'un projet de construction en Pisé. Voilà, nous avons formé nos propres collaborateurs qui sont maintenant sur place, sont très enthousiastes et dirigent 150 personnes, 150 ouvriers sur place et transfèrent leurs connaissances et leur savoir-faire. Donc, il y a de nouveaux projets, ce qui n'aurait pas été possible sans ce projet pilote. Voilà, l'avenir, ce n'est pas la machine. L'avenir, ce sont les êtres humains, les spécialistes, les ouvriers bien formés dans le domaine et les jeunes qui veulent travailler dans ce domaine, qui veulent vraiment travailler manuellement et se salir les mains, sont les bienvenus. Voilà les publications qui permettent également de transférer les connaissances et le savoir. Nous savons également que nous devons œuvrer dans le domaine de l'architecture. Notre gouvernement régional à Vorarlberg, au Vorarlberg, nous a mis à disposition une somme pour pouvoir lancer des campagnes d'information. Donc, c'était une enveloppe à hauteur de 100 000 euros qui nous permet donc, par exemple, d'élaborer un catalogue des différents éléments préfabriqués. Voilà, construire avec la terre, avec le bois, changer radicalement nos pensées, acquérir les connaissances, le savoir-faire. Cela vaut pour les milieux politiques, industriels, universitaires, parce que c'est ensemble que nous pouvons y arriver pour ne pas perdre encore une fois 10 générations avant que la construction en Pisé soit démocratisée. Un tiers de l'humanité vit aujourd'hui dans des maisons en Pisé. Et en réalité, il faudrait prévoir un pourcentage de 50%. Ce sont des souhaits, des désirs, bien sûr. Vous voyez, la banque cantonale de Bâle a donc collé cette affiche qui dit « Quel est donc le rêve d'habitat de cette famille ?» Et la dame, elle répond « Vivre avec ma famille dans une maison construite en terre battue. » C'est vraiment un changement de paradigme. Il y a des années que des experts des banques sont venus me voir pour pouvoir évaluer si une telle construction en Pisé pourrait faire l'objet d'un prêt. Maintenant, tout a changé. Les maisons écologiques qui sont bonnes pour l'environnement, c'est ça la maison de rêve. Le retour vers la construction en Pisé n'est pas un retour en arrière, c'est un retour vers la raison.